Connaissez-vous le microcrédit ? Il s'agit en fait d'une solution de financement qui concerne les personnes ne pouvant pas obtenir de crédit bancaire classique en raison de leur faible revenu, d'une précarité sociale, surendettement ou encore d'un fichage FICP. Mais de quoi s'agit-il exactement et comment fonctionne-t-il ? On vous l'explique. Le microcrédit social a pour objectif de permettre le financement de projets facilitant la sortie de la précarité aux emprunteurs. Cela peut concerner le financement d'un permis de conduire, l'achat d'un véhicule, souvent nécessaire pour l'accès à l'emploi. Nous coopérons avec le garage solidaire de Courrières qui nous accueille aujourd'hui. Mais cela concerne également le financement de formation ou encore l'amélioration du logement. Si officiellement le montant maximum des prêts octroyés dans le cadre d'un microcrédit est de 8000 euros, remboursable sur 7 ans au plus, sachez que dans la majorité des cas, les prêts octroyés vont de 3 à 5000 euros. À cela s'appliquera un taux d'intérêt généralement compris entre 1,5 et 4 %. Des organismes sociaux ainsi que des associations telles qu'Orgeco Famille Rurale dans le Nord-Pas-de-Calais se chargent d'accompagner les emprunteurs dans leur démarche de demande de prêt. Notamment pour le montage du dossier, le projet du demandeur est alors évalué et une vérification des capacités de remboursement est effectuée. Des droits sociaux sont également ouverts et un accompagnement budgétaire est mis en place. Ceci afin d'optimiser les chances d'obtention du financement, mais d'assurer surtout son bon remboursement. Sachez également que pour les personnes ayant un dossier de surendettement en cours, l'accord de la Commission de Banque de France sera indispensable. Le prêt peut alors être accordé, après validation, par des associations à but non lucratif telles que l'Association pour le droit à l'initiative économique, le Crédit Accompagnement Solidarité, ainsi que par quelques réseaux bancaires comme la Caisse d'épargne ou le Crédit Mutuel.